Dis donc. Ouais. Écoute ça, quoi. Imagine qu'il soit réincarné. Qui ça? Ton pote, Mozart. Tu vois le coup? Réincarné, bonhomme. Tu me suis? Il est là, en bas, dans la rue. Il marche. Un peu étourdi. Avec ses vêtements fripés. Il sait pas où il est. Y a personne dehors. Tout le monde roupille. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend? Notre musique. Sa musique. Son concerto qui vient de quelque part. Oh, ça lui scie les pattes au mec Mozart. Il n'en croit pas ses oreilles. Alors il se laisse guider par le son. Des larmes aux yeux, il s'approche de notre maison. Il se dit, une vieille maison, ça doit venir de là. Il pousse la porte. Il entre. Il hésite. Maintenant, il entend mieux sa musique. Ça résonne dans le hall. Ça l'attire irrésistiblement. Il se dirige vers l'escalier. Il se dit, c'est pas possible qu'il y ait tout un orchestre dans cette baraque. Ou alors, c'est que vraiment, je suis devenu très populaire. Il s'engage dans l'escalier. Il monte, tout doucement, marche par marche, avec ses escarpins et ses bas blancs. À chaque marche, son concerto est plus présent. Premier étage, deuxième étage, il arrive sur notre palier, il s'arrête. Il bouge plus. Il reste là, tremblant. Juste derrière notre porte, il écoute, en retenant sa respiration. Jamais il a entendu son concerto aussi bien joué. Gervase de Brumeur. Un clarinettiste comme jamais il avait osé en espérer un. Tu vas vous signaler qu'il est 3h du matin et que je me lève à 5h pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Oui, mais moi j'en ai rien à branler de la musique. Moi, ce que j'aime, c'est le silence. Gervase de Brumeur, meilleur clarinettiste du monde. Alors assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles. Mais enfin, puisque je vous dis que ce que je veux, moi, c'est dormir, c'est tout simplement dormir. Je suis fatigué. Je suis un petit commerçant fatigué. Bouffé par les grandes surfaces, pourchassé par les whisky, j'ai le fisc au cul, j'ai l'URSSAF au cul, j'ai la caisse de retraite au cul, j'ai la France entière au cul. Et je peux même pas dormir à cause de votre musique. Alors moi, j'en ai rien à foutre de votre Mozart, mais je le connais pas ce mec-là, je l'emmerde. Ou alors qu'il me prête du pognon pour payer mes traites. Laisse Mozart tranquille parce que c'est mon pote, hein. Lui aussi, il en avait des dettes. Sur la fin de sa vie, il avait même pas de quoi s'acheter du bois pour chauffer le cul. Et il composait quand même, alors. Il ne vendait pas des légumes, lui. Mais alors, qu'est-ce que vous avez contre les légumes? C'est un crime de vendre des légumes. Vous en mangez pas, des légumes. On préfère la viande. Tu veux boire un coup? Non, non, merci, non. Comment ça, non, merci? Tu vas peut-être essayer de nous faire croire que t'es pas picoleur. Non. Y'a qu'à regarder ta tronche, une vraie réclame pour Casanis. Strictement interdit par mon médecin. Mes médecins, c'est des cons. Moins tu les écoutes, mieux tu te portes. Allez, lève-le ton vieux coude. Bois ou je me considère comme offensé. Merci Mozart. Comment? Merci Mozart, on dit. Merci Mozart. T'es aussi bien là que dans ton plumard, non? Tu veux encore un coup de pastis? Non, 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 non. On t'accompagnera au hall. On te portera tes légumes. Ferme les yeux, bois et écoute Mozart. Je sommeille, je vous assure que je sommeille. Ben viens, allez, là, installe-toi, t'as qu'à dormir là. On te laisse lui partir maintenant, on peut plus te passer pour... T'avais qu'à pas monter. Oui, mademoiselle. Monsieur. Si t'arrives à la faire rigoler, on te la laisse, elle est à toi.
Bah oui, mais enfin, il y a quand même... Ça fait des semaines qu'on essaye de lui arracher un sourire. Rien à faire, c'est à se flinguer. Demande ça comme un service. Fais-la rire. Je serais ravi de vous dépanner, mais je... Mais vraiment pas... Me trouve un truc, nom de Dieu, démerde-toi!